À la veille du dépôt du budget du gouvernement Legault, les maires des villes détaillent leurs demandes. Andy, c'est le cas notamment de Laval, où les besoins sont importants en matière d'itinérance et également en matière de transport en commun. Transport en commun aussi, Michel. Et d'ailleurs, tout de suite, vous allez voir ce tableau apparaître à l'écran et qui détaille les demandes, effectivement, de la ville de Laval. Déjà, le gouvernement Legault a été assez clair, rappelez-vous, il y a quelques semaines, et il a dit ça va être un budget difficile. Alors, Stéphane Boyer, que j'ai eu en entrevue ce matin, Michel, a été clair, ne demande pas, et là, je reprends ses mots, le soleil, ne demande pas non plus la lune, se dit pragmatique. TVA Nouvelle, donc, a mis la main sur une lettre qui est signée par Stéphane Boyer. Il a envoyé ça au ministre des Finances, Éric Girard. Il parle effectivement de l'itinérance, dit que le nombre d'itinérants a pratiquement doublé depuis 2019 et qu'il y a un bâtiment qui abrite un refuge qui a grandement besoin d'amour, à peu près un investissement de 14 millions de dollars. La ville se dit prête et se dit être capable d'assumer la moitié de la facture, demande à ce que Québec assume l'autre moitié de la facture. Cela dit, transport en commun, je le disais d'entrée de jeu, Michel, la ligne orange. Vous savez, il y a une reprise de l'achalandage, la croissance démographique, aussi la croissance économique. Le maire écrit « Il est essentiel d'amorcer les études sur le prolongement de la branche ouest, donc de la ligne orange, et que la municipalité puisse avoir une discussion avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable avant de lancer celle-ci. » Tout de suite, on va entendre le maire de Laval, Stéphane Boyer. Moi, une de mes attentes aussi vis-à-vis de le budget, c'est que historiquement, quand on regarde le budget du gouvernement du Québec, il y a souvent beaucoup de disparités entre les régions. Donc, il y a souvent beaucoup plus d'investissements dans les régions éloignées, mais aussi beaucoup à Québec et à Montréal, que ce soit en science, que ce soit pour la santé, les services sociaux, l'éducation, le transport commun, sur plein de grands enjeux de société. Donc, une des choses que je m'attends du budget, même si les finances sont serrées, c'est qu'il y a un meilleur équilibrage aussi. Donc, on souhaite qu'il y ait des investissements dans nos infrastructures, que ce soit pour l'itinérance, mais que ce soit aussi dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, pour pouvoir offrir une belle qualité de service à nos citoyens. À Montréal, la mairesse doit répondre, Andy, aux questions sous peu. Bien sûr, la question du budget va se retenir l'attention là aussi. Absolument. Dans un instant, va débuter donc une conférence de presse pour une annonce en ce qui a trait des logements. Et d'ailleurs, l'habitation fera partie, me dit-on, de ses priorités et de ce qu'on demande donc au gouvernement provincial. Également, parmi les demandes, le transport en commun, aussi c'est le cas à Montréal, on va sans doute réclamer de l'argent. Et en ce qui a trait aussi au centre-ville de Montréal, on a besoin d'argent. La ville en a injecté beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle va demander de l'argent au gouvernement provincial. Alors, on surveille ça, on vous revient. Un peu plus tard. Merci, Andy.